Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Heart of Iron 4. Et comme promis, j'ai pris le Japon, comme j'avais convenu il y a un moment pour une deuxième campagne, sauf que je serai en coop avec un camarade qui s'appelle Jaguar, qui aura pris la Suède. Salut! Donc actuellement, bon, nos objectifs, on sait pas encore vraiment ce qu'on s'est fixé. On va essayer de chacun de devenir un peu maître du monde dans sa sphère personnelle. Hein. Oh, on va faire ça, ouais. Moi, le Pacifique, toi, l'Europe. Je pense que c'est déjà pas ouais, mal. Ouais, bah, je pense que je vais faire Norvège-Finlande et puis voir comment se passent les événements. Et moi, de mon côté, bah, comme toujours, essayer de dominer le Pacifique quand je joue avec le Japon. Hein. Pas plus compliqué que ça. De toute façon, c'est bien connu, hein, les États-Unis est une promesse japonaise depuis le temps. Alors, bon, par contre, vu que c'est une campagne en coop, ça sera pas aussi didactique qu'une campagne en solo. Même si Jaguar a des conseils, tout ça, j'expliquerai ce qu'il ne comprend pas. Mais en soi, c'est pas le but de faire une campagne didactique où je répondrai aux commentaires. Donc, on va faire une séance, je sais pas de combien de temps. Hein. Peut-être une heure ou deux. Je couperai tout ça en montage, puis après on verra bien ce que ça donne. Donc ça sera moins interactif avec le public, mais bon, d'un côté, ça sera. Vous verrez un autre aspect du jeu qui est que je vous ai pas encore montré, c'est le fait qu'on peut jouer en multi jusqu'à 32. Même certes, c'est un sacré bordel quand t'es 32 sur le jeu. Ah, j'avoue. Mais voilà, au moins vous verrez déjà un autre aspect du jeu, ce qui peut être intéressant pour vous. Et en même temps, ça me change un peu l'esprit, parce que jouer à plusieurs, c'est pas du tout pareil que jouer tout seul. Voilà, bon. J'ai assez parlé, maintenant, jouons. Bon, jouons. Jouons, jouons. Alors, non, excuse-moi par contre un Jaguar, mais en début de partie j'ai besoin d'un petit peu de temps pour tout foutre en place ma production en fait. Vas-y, prends ton temps, il n'y a aucun souci. Et de mémoire en fait, vu que t'as pris la Suède, t'as la flotte la plus puissante des pays baltiques en fait. Tu dois avoir quelques croiseurs de base, si je me trompe pas. Effectivement, j'ai des croiseurs lourds, j'ai déjà des destroyers. Bah, c'est là-dessus qu'il faut que t'insistes en fait. Enfin que t'insistes. La mer est un peu fermée ici en plus. L'intérieur des terres entre la Finlande et la Suède. La technique en fait c'est que tu fous ta flotte dans la mer Baltique comme ça t'empêches, tu prends le contrôle là. Et t'essaies d'envahir un peu plus tranquillement les différentes puissances restantes. Alors, moi de mon côté, c'est presque bon. Si tu veux que j'appuie sur play, tu me dis. Vas-y, moi je suis prêt. Hop. Alors, toc. Bon, c'est vrai que j'ai peut-être une faute plus massive que la tienne quand même. Avec le Japon. Monsieur Japon. Ouais, j'ai quelques... C'est bon, c'est normal. Voilà. Techniquement, je crois. Normal. Normalement, ma faute, je crois qu'elle est derrière celle des États-Unis en plus. C'est vrai qu'on débute avec pas mal de bateaux aussi aux États-Unis. Bon, encore heureux, t'as vu leur armée terrestre. Ils ont quasiment aucune troupe. Je dois avoir quoi, 20 unités au début, mais aux États-Unis, je crois. Mais je sais même plus. C'est vrai qu'on a beaucoup de bateaux. Ah bah voilà. La Imperiaus c'est prête. Voilà. Je suis en train de me rendre compte quand même dans le menu quand même. Tu m'as dit Oslo en Suède quand même.
Ouais, Stockholm, ouais. Non, j'ai fondu, on a inversé Stockholm et Oslo. Ah, tu me diras, ils sont sur la même ligne, hein, quasiment. Ouais, bon, de toute façon. Ça, c'est rigolo, par contre. Ouais. Nous, la géographie, ça saurait si on était bon. Hein. Alors. Et si je préparais une invasion des États-Unis d'Amérique? Toc, toc. Alors, la deuxième armée sera commandée par mon cher général Shinushi Tanaka. Voilà. C'est un arme. Ma première armée par Yamashita, l'un des plus grands généraux du Japon. Et la troisième armée sera commandée par je sais pas quelle personne, je vais bien en trouver un. Ça sera. Kenkui Ueda, ouais, fondu. Alors. Il y a déjà du matériel de soutien avec les Suédois, c'est pas mal ça. Il y a du génie, de la reconnaissance, de l'artillerie. Oh, ils ont une bonne armée, hein, la Suède en soi. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, c'est l'armée baltique, et la flotte et l'armée baltique la plus puissante. Hein. Enfin, au niveau terrestre, la Finlande peut compenser avec la Suède, mais la Suède a l'avantage d'une meilleure flotte en tout cas. Alors moi j'ai plus assez d'acier. Ça. Oh, je demande à la Chine. La flotte coûte un peu cher en fait. Pas besoin de caoutchouc, je vais quand même en faire. En guerre quand t'es. Tu dois avoir, ouais, c'est ça. En plus, il y a des bonus spécifiques à la Suède. À je sais pas comment ça se prononce, Enzvens Tiger, défense contre la dérive idéologique plus 10%, durée jusqu'à la fin de guerre contre toi plus 10%. Non, t'étais où là? T'étais dans le. Sur ton pays en détail. Détail de ton pays, c'est l'esprit national que t'as. 90%, vache. Bon, après, la Finlande a quand même aussi un autre. un sacré bonus, les Finlandais, c'est. Taux de recouvrement des divisions plus 25%, usure moins 10%, attaque de division en territoire national plus 20%, tout comme la défense. Alors. Ma flotte impériale. États-Unis, justifie objectif de guerre, conquérir. Voilà. Ça, c'est fait. Hiroshi Ito dénonce les idéaux américains. Mort aux capitalistes. Merde. Je sais plus comment on s'aide une flotte. Vague. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé. Cela est préférable.
Congo, Congo. Par contre, eux, je vais les. Alors, la deuxième flotte, ça sera sous Ozawa. La première flotte, sous Yamamoto. Voilà, ma flotte impériale est prête. Enfin, l'une des trois. Oula, 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 oula. On a déjà la Rhénanie. Rémunération de la Rhénanie. L'Allemagne a posé des troupes en Rhénanie près de la frontière française, violant ouvertement le traité de Versailles, pour assurer le cas accueilli à bras ouverts et soutenir l'Allemand, ne suscitant à ce stade aucune réaction diplomatique de la part de la France ou de la Grande-Bretagne. Citation, après tout, les Allemands ne font que récupérer l'arrière-cour de leur maison, d'après un observateur politique britannique. Ce qui est pas faux d'une certaine manière, hein. Alors, Par contre, avec la Suède, on commence qu'avec un seul amiral. Bah, fusionne de toute façon, de manière générale, fusionne tous tes bateaux en début de partie. Pour faire une seule flotte, ça suffit amplement. Hein. Hier, j'en ai fait plutôt 3, je les ai plutôt séparés en 3 parce que j'ai quand même pas mal de bateaux, donc. T'as moins de 100 navires? Moins de 100? Ouais. Si t'as moins de 100 navires, honnêtement, tu peux te permettre de tout laisser fusionner. Hein. Avec pour les trois zones à chaque fois. Comme ça, l'avantage, c'est que tu demandes à la même flotte de tout faire. Alors ça va transformer en Eyeshine. Une petite question, tiens. Vas-y. Pourra peut-être intéresser ceux qui verront la vidéo. Supposons que je fasse une flotte avec 100 bateaux. Oui. Et répartie sur 3 zones. Répartie sur les 3 zones en même temps ou comment ça fonctionne? Ta flotte patrouille en fait sur les 3 secteurs dans lesquels tu as demandé. Donc ta flotte, en fonction de l'ordre que tu donneras, soit c'est une partie de ta flottille, soit la flottille complète qui attaquera. Par exemple, en recherche et destruction, t'as toute ta flottille qui va normalement attaquer en même temps la flotte ennemie. Mais à côté de ça, par exemple, si tu demandes de code patrouiller, t'as par exemple qu'une partie de ta flotte, par exemple 20 navires qui vont attaquer, qui peut être engagé. En gros, t'as une certaine réactivité de la flotte quand tu vas dans. Quand tu prends ta flotte, tu vois, quand tu as différentes sélections d'options de patrouille. Ouais, exactement. Quand tu restes de suite, mettre déploiement de la flotte. Par exemple, patrouiller, déploiement de flotte 160%, recherche de détruire 50%, attaque de convoi 120%, escorte de convoi 90%. En gros, c'est la réactivité de ta flotte. C'est-à-dire que sur une flotte serrée, par exemple, qui se déploie que 50%, va rester, quand tu vas être attaqué ou tu vas être attaqué par un autre navire, vont quasiment être tous ensemble. À l'inverse, un déploiement de 160%, c'est-à-dire une flotte très étendue, t'as qu'une partie des navires qui auront le temps de venir aider les navires pour un conflit. Donc tout dépend après la situation en fait. Ça répond déjà à la première. C'est parti sur les trois ou est-ce qu'ils se suivent Bah ils suivent tous. Moi généralement je me recherche et détruire ou en Ouais, protection exactement, de c'est ça. convoi. Après tout ce qui est attaque de convoi, j'aime bien foutre les sous-marins parce que c'est Ouais, un ça peu le c'est but sûr. des sous-marins. C'est un peu ce qui s'est passé dans la bah, dans l'histoire, hein. C'est ça. Surtout au niveau de l'Atlantique avec les U-boats. Ah. Nous avons la guerre en Espagne, messieurs dames. Eh, c'est pas trop tôt. La guerre civile espagnole a éclaté. Plusieurs généraux terminés ont renversé le gouvernement à Madrid. On y mis un prononciamento auquel répond une grande partie de l'armée espagnole. Ces factions nationalistes de droite occupent une grande partie de l'Espagne, y compris les territoires d'ouest d'outre-mer, tandis que des troupes loyalistes et de volontaires se rassemblent autour du gouvernement républicain de gauche. Mais c'est bien décidé de se battre jusqu'au bout.
La bataille pour Espagne a commencé. Donc notre cher ami Franco a essayé de prendre le pouvoir en Espagne et s'est viandé. Inch'Allah. Alors, toc toc. T'as combien de troupes au fait? Moi? Ouais. J'en ai 8 et 3, 11. 11. Oh, ça va. Pour l'instant, on fait comme d'habitude, hein, tu sais, je prends mes armes légères pour l'instant, j'essaie d'avoir un petit stock. C'est ça. Après, je crois que tu as un script plus efficace quand même avec la Suède qu'avec la Chine qu'on a testé tout à l'heure. Ah non, mais hein, t'as 3 usines militaires, non, quand même pas. Quoique ça serait possible. 9 possédés. Ah oui, bon, j'ai pas expliqué par contre avec les factions mineures, le petit conseil que je donne, c'est vous partez développement industriel, vous rushez nouvel emplacement de recherche, puis après vous allez développement de construction 3 et développement de l'armement. Après quand vous avez des succès qui demandent de rapidement capturer des trucs, par exemple avec le Mexique, envahir une partie des États-Unis, reformer l'ancien Mexique. Faut partir tout de suite sur collectiviste, nationaliste, avant de partir dessus en fait. Donc tout dépend de l'agressivité que vous voulez avoir en fait. A savoir que collectiviste ne marche que si parti majoritaire au pouvoir est non aligné communiste ou fasciste. Donc ça ne marche pas si vous êtes démocrate comme en Suède. Démocrate ne crée pas. C'est ça. Après, je peux toujours soutenir un état fasciste si tu veux, pour t'aider. Oui, éventuellement, mais tu veux. Hein. Ouais, vendu. Vendu. Faire pareil. Hein. Ah! Putain, c'est la première fois que je vois ça! De quoi donc? Regarde en Chine! Regarde en Chine. Ben c'est quoi? C'est le conflit. Assurée, là ouais, le conflit chinois. C'est la première fois que je vois ça. Je l'avais moi quand j'ai joué tout à l'heure. Au niveau des IA. Ouais, c'est vrai que j'ai pas été explicite. D'habitude, l'IA. Influence politique extérieure. Le Japon est en train d'enforcer la popularité du parti. Ouais. C'est pas ce petit logo en haut là. C'est à dire que c'est moi qui. qui t'augmente la popularité. Ah. Ouais, parce qu'en fait d'habitude la Chine n'aime pas. Enfin, moi dans mes autres parties, peut-être c'est une mise à jour qui a changé ça, mais d'habitude, moi la Chine évitait de. Le conflit se repliait toujours de ça en fait. En fait, je suis vraiment en train de me demander si j'ai foutu en historique ou pas en fait le jeu quand je vois ça. Généralement, tu mets tes industries concentrées ou dispersées toi? Alors, ouais. L'explication des deux. J'avais expliqué un coup dans une vidéo, mais je peux te l'expliquer. Industrie concentrée, l'avantage c'est que tu vas produire plus et tu vas avoir. Tu prennes l'un ou l'autre, tu peux construire autant d'usines dans le territoire. Qu'on se mette d'accord. Là n'est pas le souci. La production des usines, c'est le nombre d'unités que tu vas produire en. Attendez, je vais pas dire de bêtises. Production usine, ça augmente le taux horaire de tes usines. Plus il est élevé, plus tu vas produire en taux horaire de produit. Donc industrie concentrée te permet de produire plus en taux horaire que l'industrie dispersée. Cependant, l'industrie dispersée, tu as un maintien de productivité. Et un maintien de productivité, en fait, c'est quand tu changes ta ligne de production. Par exemple, tu modifies d'armes, parce que tu as des armes plus modernes, tu modifies tes lignes de tank, tu modifies tes... N'importe quoi, dès que tu modifies ouais, ta tu ligne, modifies tout, quoi. En gros, tu conserves une partie de ta productivité d'avant. En gros, tu as une plus grande flexibilité. Et de base, tu vas produire plus. Productivité de base qui est augmentée. Donc au lieu de commencer par exemple, à 10%, tu vas commencer à 15%, 20%, 25% en fonction du nombre que tu fais. Et tu vas avoir tes usines qui vont subir moins de dégâts grâce aux raids aériens ennemis. Enfin, à cause plutôt.
Cependant, bon, moi je suis un vieux de la vieille. Je préfère attendre un peu plus longtemps, mais avoir une industrie qui au final produira beaucoup plus, avantage d'industrie concentrée, qu'avoir une industrie dispersée qui sur le court terme est plus productive, mais sur le long terme est moins productivité qu'une industrie concentrée en fait. D'accord. Après, Merci. certains pays, tu peux penser à prendre l'industrie dispersée quand t'as pas la domination aérienne notamment. La France, c'est pas déconnant de la prendre en tout cas. La France, Royaume-Uni, enfin tous les pays qui justifient donc, comme quoi t'es beaucoup en combat aérien, que tu peux pas dominer les airs, ça se justifie, mais je préfère produire plus. La Kodak. Après, c'est à toi de voir, après, sur ce coup-là. Hein. Que les deux se valent, les deux se justifient, les. Pas très bien. Après, au niveau production, t'as le premier, c'est limite de productivité. En gros, c'est ta productivité maximale possible. Quand tu es en production, le deuxième, c'est production des usines, donc c'est ton taux horaire. Le troisième, c'est vu les arrêtés des usines au bombardement, c'est. Est-ce que, en gros, quand tu as bombardier, de combien ce dégât de bombardement est réduit? Matière de productivité, bah c'est ça. Quand tu changes la production, de combien tu perds? Et gain de productivité, c'est de mémoire la productivité qui augmente plus tu produis d'unités sur la même chaîne, je crois. Le gain de productivité obtenu en produisant masse les objets sur la même ligne. Soit l'un, soit l'autre, en fait. Ouais, je crois que c'est plus c'est long, plus enfin plus ça dure, plus c'est productif. Ah, ouais, hop. Alors, de l'acier. Et je suis à combien de jours de déclarer la guerre aux États-Unis? Oh! 22 octobre, je peux déclarer la guerre. Ah, ça fait dans 3 mois. Dans C'est 4 juin mois. ou juillet là? 4 mois. Ah, d'accord. Alors. Ça va être rapide hein, quand même. Hein. Bah, disons en fait, les États-Unis, c'est que faut frapper le plus tôt possible. Ils ont une énorme. De toute façon, vu que t'aimes bien jouer avec eux, tu vois ce que je veux dire. T'as une énorme industrie civile. Ouais, je sais ça. Militaire, c'est faible. Niveau armée terrestre, au tout début, t'as rien. Autant qu'on se le dise. Ouais. Donc, moi, je me dis. J'ai appris dernièrement d'ailleurs que les États-Unis, dans la vérité historique, étaient la 17e puissance du monde militaire. Hein. Ah, oui. Le Elle meilleur. était la 17e et après, elle a été. Ah, on n'est plus synchronisé. Alors, attends. Mon jeu est corrompu, code d'erreur. L'autre ne peut pas le Resynchroniser. garantir. Attends, Et donc. il va peut-être changer une sauvegarde antérieure. Voilà. J'attends que ça soit revenu. Envoie de la sauvegarde à Jaguar Paintball. Bon, ça c'est des bons trucs, par exemple, qu'il n'y avait pas sur Crusader Kings 2, par exemple. Ou d'autres jeux de Paradox, et au moins, c'est. Toi, ces petites sauvegardes-là qui prévoient d'eux-mêmes pour se resynchroniser tout ça, je trouve que c'est sympa. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est bon? Voilà. T'as pu revenir? Ouais, on est au 28 juin, je crois, c'est ça? 28 juillet à 16h. À C'est 15h, ça. excuse-moi. Non, j'ai 16 heures. 16h, ouais. Bon bah Ah oui, c'est. mais Thibaut, c'est marqué 15 heures. Mais Pareil là, moi, pour toi. j'ai 16. Plus tard. Oh, c'est pas grave, on va diminuer un peu la Enfin, on s'en vitesse. fout. Donc, explique-moi les États-Unis avec le fait que c'était la 17ème puissance. Ouais, donc c'était la 17e puissance parce que le monde américain, ils étaient comme dans le jeu, c'est-à-dire qu'ils voulaient pas faire la guerre, ils étaient aussi à faire la guerre, ils étaient pacifistes. En fait, à partir du moment où le Reich allemand a commencé à faire bruit là-bas en Europe, ils ont mis du temps à rentrer dedans parce que justement ils ne pouvaient pas faire la guerre. Donc en fait, ils se sont dit on va aider quand même le Royaume-Uni. Les Royaumes-Unis ont envoyé plein de plans pour faire des bombes, des radars, des ceci, des cela. Ils ont commencé à avoir le dessus sur les Allemands et voilà, c'est comme ça qu'ils ont pu arriver en Europe tranquillement et les aider. Ils ont fait plein de conneries quand même. Hein. Après, de.
je te dis des souvenirs historiques, faut savoir qu'à une époque, le Mexique contrôlait la Californie, le Nevada, de mémoire, l'Oregon, le Colorado, Utah, Arizona, Nouveau-Mexique, Texas, de mémoire, à une époque. D'accord. Bah ça remonte encore avant, ça c'était dans... Ah oui, j'allais dire... C'était aux guerres de... Quand les États-Unis essaient de prendre le contrôle ben, de ce qu'est aujourd'hui les États-Unis. Hein. La guerre de sécession, c'est ça? Ah, c'était l'extension vers l'ouest. La ruée vers l'ouest, c'était. Et à ce moment-là, il y a eu un énorme conflit qu'il y a eu entre le Mexique et les États-Unis. Les États-Unis ont failli perdre contre le Mexique. Quoi, hein, tu vois? On a failli perdre contre eux. Donc, En fait, si tu veux, ils étaient vachement un peu en retard au niveau technologie. C'est le Royaume-Uni qui a envoyé des plans. Aux États-Unis via un convoi. Ils sont passés par le Groenland, tout ça là-haut. Ouais. Et dans ces plans, il y avait des nouveaux radars, comme je te dis. Et si tu veux, en plein milieu de l'Atlantique, il y avait une zone noire. C'est une zone des U-boats. C'est un carnage. Tu m'étonnes. Et grâce à ces nouveaux radars, ils ont pu détecter les U-boats et tout ça, les avions, tout ça. Enfin, tout. Alors, autant pour moi, ça s'appelle un sonar alors. Ouais, ben sonar, radar, enfin tout ce que tu peux. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais oui, de toute façon, de manière générale, le traité, par exemple, c'est le traité de Londres, je crois, qui limite la flotte, le poids des flottes. Attends, je vais te retrouver ça de mémoire dans une recherche japonaise, ils en parlent, sur les navires. Traité naval de Londres, voilà. Dans les années 30, il y a un traité naval qui va être mis à Londres. En gros, c'est pour toute une puissance navale, tu vas limiter en fait le portage, la puissance de feu naval et le portage des navires. Tout ce qui est cuirassé, porte-avions, etc. Et à savoir, à cette époque-là, les porte-avions, ben, aux années 30, c'était souvent considéré comme un rôle de reconnaissance. C'est la première vraie fois qu'on va avoir les porte-avions en activité, c'est la Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est là où on voit le rôle du porte-avions par rapport à un cuirassé. Là où la Première Guerre mondiale, c'était uniquement affrontement cuirassé et porte-avions en reconnaissance. Et ce qui va se passer, c'est que les États-Unis vont toujours essayer de respecter cette convention. Alors que la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et le Japon... On avait rien à faire, honnêtement, du traité. Ce qui fait qu'au début de la guerre, le Japon a peut-être une flotte en termes de quantité inférieure aux États-Unis. Enfin, même supérieure, à vrai dire, ouais, ça va être comme 13 porte-avions, les États-Unis ne pourraient aligner que 4. Et niveau modernité, largement mieux. Après, ce qui pêchait au niveau japonais, c'était la dissension des ministres de la guerre. Parce qu'il y avait. Là, ce que je vais vous présenter dans la partie, c'est qu'en fait, il y avait un plan qui avait été adopté. Attends, juste que je retrouve le nom du plan. J'ai plus le nom du plan. En gros, il y avait, de mémoire, je crois que c'est Yamamoto qui avait conseillé ça. C'est le but pour contrôler le Pacifique, c'est de ne pas frapper l'île d'Hawaï pour dégommer la flotte, c'est en fait de frapper directement la Californie. De débarquer sur la côte est des États-Unis, la côte ouest des États-Unis, pour les faire capituler. Et à vrai dire, les États-Unis ont toujours attendu un débarquement qui n'est jamais arrivé, mais c'était une idée qui, a posteriori, était pas mauvaise. Je sais pas ce que t'en penses de ton côté. Bon, c'est japonais. Ah ben. Ben, ce que j'en pense, je sais pas. Pas trop de penser sur ce genre de choses, mais... Ça aurait largement changé la guerre, à mon avis. Mais bon, la preuve qu'ils avaient quand même des génies militaires. De toute façon, Yamashita est, je crois, le génie militaire de l'armée terrestre japonais. Et Yamamoto, c'est l'un des génies de la... des flottes de guerre japonais. Hein. C'est... On peut réécrire l'histoire, mais c'est vrai que si le Japon avait tout concentré son arsenal pour aller envahir les États-Unis étant très mal en point au début du conflit, ils auraient mangé bon. Ils auraient mangé bon. De toute façon, faut savoir que l'industrie américaine était largement inférieure à n'importe quelle autre puissance.
Même si nous on se rappelle de cette image-là, par exemple, je crois qu'à la fin de la guerre, il sortait un cuirassé par jour en volume de rechantier Ah, c'est naval. par jour. Je crois que C'est c'était. énorme, quoi. Disons que les États-Unis, on a toujours cette image-là, l'immense industrie ultra développée. Mais en fait, ils ont industrie, toute l'industrie civile va être convertie en industrie militaire. Et au début, ils n'ont pas d'industrie militaire, c'est ça qui va pêcher. Ils ont beau avoir, à la fin, ils ont beau produire plus que n'importe quelle autre nation. Si initialement, t'as rien du tout, bah, j'ai du mal à voir comment combattre avec des pierres. Mais bon. Alors, la 11e Olympiade, les 11e Jeux Olympiques ont eu lieu à Berlin. Les athlètes de 49 nations y ont participé et sont les seuls dans l'histoire à avoir bénéficié d'une diffusion télévisée pour partie en direct. Ils ont contribué de façon importante à la propagande du régime allemand qui a dispensé sans compter pour l'organisation. Avec 33 médailles d'or, les athlètes allemands se sont imposés devant les Américains et ont 24 médailles. Mais ces derniers comptent le rang et meilleur athlète des Jeux, Gis Owen, qui en a remporté 4 à lui seul. La preuve que le fasciste est mieux que le capitaliste. Ah ouais, t'as vu, les Allemands ils ont été premiers en termes de médailles remportées. Ça a été fait à Berlin. Ouais, bon. Pas le truc truqué, non? Bah si, c'était. De toute façon, à cette époque-là, tout le monde trichait, hein. C'est comme après, pendant la guerre froide. Les athlètes américains et russes, nombre de contrôles de dopage positifs. Hein. Après, voilà, c'est un moyen de vanter un parti, quoi. La propagande, messieurs dames. C'est ça, y a que ça de vrai. La propagande, messieurs dames, ça existe depuis. Ça existe depuis toujours, quasiment. Enfin, depuis que les gens veulent contrôler. C'est quand même l'époque de la monarchie, hein. Les cultes du roi Soleil, par exemple, en France, c'est de la propagande. Enfin, c'est une manière détournée de faire en sorte de faire travailler le peuple sans qu'il se rebelle. Allez, on est en 1936, 6 mois qu'on joue, 8 mois qu'on joue. T'inquiète pas, ça va bientôt taper de mon côté. Ouais, on a une décalage d'une heure, ouais. Ah, un décalage d'une heure, ouais. J'ai été en avance sur moi d'une heure. Ouais, parce que j'héberge. C'est une heure, ça va. Bon, j'en suis de ma pénurie, il manque toujours 3000 armes. Oh bah c'est pas mal, t'as déjà bien résorbé le déficit. Ouais. Bah par contre, j'ai commencé à faire des stocks d'armes pour la guerre parce que je n'ai que 400 en stock. Pas besoin, c'est sûr. Or j'avais lu une astuce sur ce jeu avec le Japon. Voir. C'est qu'il conseille en fait d'envahir Hawaï. Ouais. Puis après d'envahir à côté des États-Unis qu'avec des navires de rang 2. Parce que Avec des navires de navires de rang 1 rang n'ont pas 2. apporté pour arriver jusqu'aux États-Unis. Sauf que j'essaie leur technique, ça ne marche pas. C'est un guide qui doit être, on a dû changer la portée navale des navires, je pense. Ce qui fait que moi j'ai trouvé une autre, c'est que je pars du nord, tout en haut du Japon, les îles Kuril. Je fais un débarquement sur l'île Attu, qui est à l'est de l'Union soviétique. Puis après des îles Attu, je refais un débarquement au niveau de l'Alaska, au niveau de d'Anchorage, je crois que ça s'appelle le port. Anchorage, voilà. Puis après, je peux faire un débarquement au niveau de Seattle.